Situation compliquée actuellement là pour haïtiens qui appliquent dans programme humanitarian parole là programme nous et le programme Biden non. Eh ben gagné 20 états qui écrit 20 états ça yo opposé radicalement à programme ça et yo mandé rapide pour gagner une réponse qui baille. Et mesdames messieurs, nous allons venir voir plus de détails de qui ça qui dit. Parce que 20 états ça yo, yo campé mordicus, yo mandé fok programme nan campé. Bagay sa mette yon gros tête chargé la kay tout haïtien qui t'est déjà appliqué, bien que fok mwen fok konnen, c'est 4 pays qui impliqué nan programme ça, mais ou konnen, nous les haïtiens, mesdames messieurs, en pile haïtien qui t'est ouais, ça c'est sauveur, qui t'est ouais c'est moyen porte de sortie yo a. Gap pile haïtien si toutefois le congrès li ta prend en charge ou bien li ta prend en compte requête 20 états sa yo gen possibilité pour programme nan campé. Eh bien madame monsieur raison yo nous parler pour expliquer ou nan émission ça c'est peut-être ça ou même qui déjà ensemble avec nous déjà atterri sous nous rete là n'a vinn bon plus détail parce que on veut comprendre ou nan bon bois. Il y a deux citoyens cubains yo à peine kidnappé en Haïti. Pareil là, ou konnen, dossier kidnapping non, même sous de tout ça qu'a fait là, il pas jamais fini. Parce que cause kidnapping ça tellement gen bradel, tellement gen moun qui investit gros là-dedans, pas maintenant tête ou son dossier qu'a fini jodi là. Deux citoyens cubains yo kidnappé en Haïti. Pour bibiti 5 moun mouri dans Canaan. Nan cadre yon fusillade et nan 5 moun sa yo gen yon ancien footballeur la dan. Mesdames messieurs, sans continuer à couler nan Canaan, Jérusalem, plusieurs autres zones en pile moun continue à tomber en babal assassin, en babal bandi sans foi ni loi nan pays d'Haïti. La Russie avec la Chine, deux représentants sa yo yo même tout yo te participé dans Conseil de sécurité des Nations Unies. Conseil de sécurité ou une réunion ça qui t'a fait en faveur Haïti ou bien pour te penché sous cas Haïti a représentant ça yo fait connait yo pas comprendre du tout la position des États-Unis et du Canada qui a géré causer sanctions de façon bilatérale mais c'est pour capable régler propre intérêt yo pas gagner de Haïti la donne. La Russie dit pas comprendre. La Chine dit le pas comprendre. Ça qu'a fait là en Haïti, yo dit sanction qu'a prend là yo, c'est pas sanction qui chita vraiment, son base légale, son base fondée. M'bra le faut attendre, représentant ça yo. M'bra le faut attendre en gros, mesdames messieurs, comment ça t'ayé, comment réunion ça lui-même li t'est déroulé. Faut nous dire Royaume-Uni lui-même bon côté parle c'est seul pays. Bon, l'un dit Royaume-Uni, vous connaissez pas yon green pays, c'est yon plusieurs, mais qui vin presque font seul. Yon dit, yon prêt pour yon continuer avec sanction yon. Donc, pas oublier yon même tout yon te prêt sanction contre une série de gros potentats, Manitou. Yon dit yon même tout, yon vle continuer avec régime sanction yon. Et non seulement, yon vle continuer ensemble avec lui, mesdames, messieurs, mais yon prêt ou yon même pour yon continuer accompagner Haïti. Pour yon bay Haïti, j'arrête, pour yon bay bourad, pour le karive jouen. Yon ouf, nan kad insécurité qui gen la, crise humanitaire tout kalte, kap brase bil pays ya depuis quelques temps. Donc, Royaume-Uni li même, li prononce en faveur Haïti. Et encore une fois, mesdames, messieurs, bal gen l'occasion pour tende, pour wè sa k tap passe nan conseil, nan réunion conseil de sécurité des Nations Unies qui te fait mardi 24 janvier 2023. Réunion ça li même li te fait sous do Haïti ou bien en faveur Haïti mais qui ça qui sorti pas gagné grand chose vraiment qui sorti dans réunion ça d'ailleurs Bobre qui c'est ambassadeur Canada dans ONU monsieur de gitan dit nous puis ga nous attend nous grand chose parce que selon lui même ça gagne là en Haïti li pas nécessité une intervention militaire vraiment c'est haïtien qui pou démêler au coup mettre Jean-Jacques pour rejoindre issue à crise qui gagne là. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs, Chanel là, c'est Haïti Réflexion Zami qui avec vous, c'est Esdras Fizeme. C'est avec un pile plaisir, nous pourrons le porter. Émission Sabahou, j'en ai habitué faire comme de façon coutumière. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Pas déplacer, nous n'avons pas retourné dans un badge. Haïtien qui tape niché tête droite,
filé point crayon yo pour rentrer États-Unis dans cadre programme Biden nan, ça n'est les communément programme Biden nan. Eh ben actuellement là programme nan li sou route pour faire un petit campé. On dit bien sou route pour faire un petit campé. Gagne 20 états qui signent en pétition. Actuellement là gagne 10 nan yo qui t'en bay aval yo normalement. Côté yo écrit le Congrès américain, donc ça n'était carré le Parlement américain pour demander yo pour yo stopper programme ça parce que selon yo même programme ça, li pa rien de base légale là-dedans. Joe Biden pas respecté aucune procédure légale pour être capable river mettre programme ça sous pied. Mais laissez-moi vous dire, programme ça vraiment c'est pas un programme qui était, c'était juste un arrêté présidentiel littéré. C'est pas un programme qui t'est passé dans le parlement comme si c'est pas le Congrès, pas un programme que le Congrès t'est voté. C'est pas un programme Congrès a t'est bail aval li sou li. Et ça fait selon en pile moun et dossier a yo acheminé le bail yon moun. Bail moun yo acheminé là, c'était yon juge, yon procureur que Donald Trump lui même t'est nommé. Donc ça veut dire yon républicain. On comprend? Même si dans ça qui gagne ouais avec les intérêts américains, il n'y a pas question démocrate ou républicain. OK, depuis c'est intérêt américain, mais comprenez bien. La décision de Joe Biden est perçue comme une décision politique. Décision pour monsieur faire migrer ça et rentrer, tout le monde voit comme une décision politique parce que monsieur est candidat aux élections de 2024. Vous comprenez ça? Maintenant en pile monde, surtout les républicains, yo wè nan Joe Biden on est qu'a fait campagne. Donc yo décidé di yo même, y a boycotté programme nan. Et programme ça li sou route pour voter dans Congrès américain. Kounya si programme nan voté vrai dans Congrès américain, m garanti nou, li pas voter vraiment en faveur pays sa yo qui pou kou elle là. Niche pour deux, c'est quatre pays, c'est Nicaragua, c'est Haïti, Venezuela, Cuba. C'est quatre pays ça yo. Songe en pile nègre yo pral nan élection, yo toujours servi avec espace réfugié yo pour yo faire campagne politique, pour yo faire capital politique yo et ça le toujours yé. Eh ben République ouais c'est même bagaille là Joe Biden a fait là et songez le Joe Biden t'a monté monsieur t'est déplacé là dans espace de côté communauté haïtienne yo mettez à genou et cetera pour le montrer vous comprenez côté afro yo pour le montrer que il sympathiser avec problème yo mais après le fin monté Nad Marinade pas gagné qui fait comme pral gen élection l'année prochaine monsieur vient avec programme ça on façon pour capable gagner confiance moun sa yo encore pour ouais c'est moun sa yo ta rebali on l'autre mandat et c'est ça lié parce que cette décision est purement politique et c'est ça qui fait mesdames messieurs programme ça donc gen un avocat qui dit li conseiller tout moun yo te gen fil pour yo dégager depuis yo te gen recevoir autorisation pour entrer, c'est pour dégager entrer parce que yo pral mande en attendant, yo rive jwenn une solution avec ça, en attendant, yo penché sou ka pour ta camper avec programme nan. Est-ce que camper avec programme nan mesdames messieurs, est-ce que ça pral faciliter un série de moun pendant ce temps nous tout nous connaît nan ki niveau gen moun, c'est programme ça qui était presque tête sec yo, c'est sous programme ça yo te mettait tout accent yo, toute vie yo. N'ap suiv pou nou à qui ça ça pral abouti est-ce que pral gen une solution à l'amiable qui ça pral dit mais pas oublier les intérêts américains c'est lui même qui a primé dans toute bagaille. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni mardi 24 janvier 2023 Conseil de sécurité des Nations Unies yo réuni dans l'idée pour yo capable plancher sur le cas d'Haïti sur le sort des haïtiens qui actuellement là c'est des milliers d'haïtiens qui en situation d'insécurité côté plusieurs zones plusieurs quartiers plusieurs secteurs moun pa ka vaquer librement dans activité yo actuellement là moun kanan des 5 moun ki mouri kanan là assassiné donc par balle côté bandi se foani loi acheter secteur ça yo acheter quartier ça yo l'argent comptant. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, encore une fois, il est réuni et pour être capable de décider sous avenir Haïti, pour être capable de décider pour qu'on ait exactement qui ça y a fait, qui ça y a dit
pour Haïti. Nous invitons à suivre, mesdames, messieurs, quelques interventions parce que, laissez-moi vous dire, les représentants de la Russie et de la Chine, ils ont dit qu'ils ne comprennent pas. Ils ont dit qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont dit. Parce que les gars des gens sanctions ça va prendre, ils ont dit ouais c'est intérêt États-Unis avec Canada, ouais c'est bail personnel qu'a réglé. Donc sanctions selon deux pays ça yo pas chita vraiment sur une base légale. Et ça que yo dit même, yo pas comprendre comment yo va le fouer tête yo dans dossier pareil, bail question intervention militaire yo dit mais yo pas ouais yo non démarche pareil parce que ça qu'a fait là États-Unis avec Canada, ses affaires personnelles yo a réglé en yo même, yo pas gagne temps. Pour régler les affaires personnelles. Mal bonne possibilité pour tendre quelques interventions. Et la France, les États-Unis, ou plusieurs pays qui étaient intervenus sous situation Haïti. Mais pas oublier, m'dou non, pas de grandes choses qui sorti. Yo te qui te dit nous, bon, brete qui te dit nous ça. Puis nous attendons nous avec grandes choses, puis nous attendons nous une solution pour le sortir à la miable. Quelle solution ça pour le sortir là? Madame, monsieur, moi invite à suivre comment ça t'a déroulé sous podium Nations Unies. Abonné à l'ensemble de la mission permanente ici à New York à la suite du décès de leur ministre des Affaires étrangères, M. Moussa Adamo. Je souhaiterais remercier Mme Lalim pour sa présentation et saluer la présence parmi nous du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine ainsi que des représentants d'Haïti et du Canada. Monsieur le Président, nous étions réunis il y a tout juste un mois pour faire un constat alarmant et force est de constater que la situation a continué à se dégrader. C'est avec un sentiment de grande urgence que la France appelle la communauté internationale à redoubler ses efforts. Permettez-moi de revenir pour ma part sur quelques priorités. Premièrement, nous avons accueilli avec intérêt la signature le 21 décembre dernier d'un document de consensus national et nous encourageons les acteurs haïtiens à poursuivre un dialogue inclusif qui doit déboucher sur l'organisation d'élections démocratiques lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. À cet égard, nous espérons la nomination rapide d'un comité électoral provisoire et la fixation d'un calendrier. Je rappelle, comme la représentante spéciale l'a également souligné, qu'il n'y a plus aucun élu dans l'ensemble du pays depuis l'arrivée à échéance le 9 janvier du mandat des 10 derniers sénateurs. La classe politique doit faire preuve de responsabilité afin de sortir de l'impasse actuelle. Deuxièmement, la situation sécuritaire demeure extrêmement difficile et l'objectif doit être de soutenir avec plus d'efficacité, la police nationale haïtienne qui est en première ligne. Elle a besoin, nous le savons tous, d'équipements, de financements, de formations. Et pour rétablir la sécurité, les autorités haïtiennes ont également lancé un appel à la communauté internationale. Nous nous tenons prêts avec nos partenaires à faire davantage afin de redresser la situation sur le terrain. Troisièmement, la France salue la constitution du comité 2653 et son panel d'experts. Et nous espérons que ce comité se mettra rapidement au travail afin de faire des propositions. Les sanctions constituent un signal dissuasif pour les criminels, leur soutien politique, leur soutien financier. Mais nous le savons également, les sanctions seules ne résoudront pas tout. Et il est impératif de reconstruire la justice en Haïti. La lutte contre l'impunité, le renforcement de la chaîne pénale dans son entièreté doit être une priorité si nous souhaitons à terme mettre fin à la violence. Enfin, c'est mon dernier point. La France restera engagée pour faciliter l'aide humanitaire, en particulier sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, car nous ne pouvons nous résoudre à l'engrenage actuel. Monsieur le Président, la France continuera de soutenir les efforts des Nations Unies, ainsi que de toutes les organisations qui œuvrent pour Haïti. C'est aussi le cas de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous continuerons autant qu'il est nécessaire de nous tenir aux côtés du peuple haïtien. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la France pour sa déclaration et je donne maintenant la parole à la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitons avant toute chose présenter nos sincères condoléances à la délégation du Gabon et au peuple gabonais à la suite du décès du ministre des Affaires étrangères, Moussa Adamo. Nous le pleurons aux côtés de nos amis gabonais. Nous remercions Hélène Lalim pour son exposé. Selon les chiffres figurant dans le rapport du secrétaire général sur l'année 2022, la situation continue de se détériorer. Le nombre de meurtres augmente, mais également d'enlèvements de cas de violences sexuelles et le nombre de déplacés et de réfugiés.
Les dernières informations faisant état de regains de violence dans les rues de Port-au-Prince ne laissent planer aucun doute quant au fait que la criminalité demeure le principal problème en 2023 également. Nous sommes profondément préoccupés par les problèmes humanitaires accentués par l'épidémie de choléra. Selon l'OCHA, ce dernier mois, le nombre de cas de choléra a augmenté de 57%. Il est évident que si les activités des institutions d'État ne reprennent pas pleinement et si un dialogue politique inclusif n'est pas amorcé, l'on ne pourra sortir de la situation actuelle, difficile. Nous suivons de près les efforts en la matière et nous avons attiré l'attention sur la signature d'un accord de consensus national le 21 décembre 2022. Toute mesure susceptible de contribuer à surmonter les divergences et à rétablir l'ordre constitutionnel en Haïti mérite d'être encouragée. Toutefois, il importe que toutes les grandes forces d'opposition puissent participer au dialogue. Pour l'instant, force est de constater que le pays est dépourvu d'organes de pouvoir élus légitimes. Et récemment, les mandats des derniers sénateurs ont expiré, qui avaient été élus selon les procédures juridiques en vigueur. Nous l'avons souligné à maintes reprises, la crise de légitimité constitue l'un des principaux obstacles empêchant de sortir le pays du cercle vicieux de l'anarchie, des violences et de la dégradation socio-économique. En Haïti, la crise de l'État est principalement le fruit de manœuvres politiques étrangères et de politiques néocoloniales. Et c'est pour ces raisons que plusieurs collègues du Conseil de sécurité n'appellent pas les choses par leur nom. La communauté internationale doit envoyer à Port-au-Prince un message clair quant à la nécessité de mettre en place des organes légitimes de pouvoir en se fondant sur les documents internationaux et régionaux, à l'instar de la Charte démocratique interaméricaine de 2001. Nous estimons que cette question devrait être davantage mise en relief dans le rapport du secrétaire général. Nous sommes favorables à l'appel du secrétaire général à mener une enquête sur le meurtre du président Jovenel Moïse. Alors que cela fait près de 18 mois qu'a eu lieu cette tragédie qui est liée à une ingérence étrangère, il n'y a pas eu de progrès dans cette enquête. Tous les coupables et surtout les commanditaires de ce meurtre doivent rendre des comptes et doivent être sanctionnés. Nous sommes par ailleurs très déçus que dans document du secrétaire général, les mesures coercitives unilatérales sont présentées sur un pied d'égalité avec les sanctions du Conseil de sécurité. Et ces deux instruments très différents figurent dans un seul et même chapitre du rapport. Tout le monde sait que dans d'autres pays, les sanctions unilatérales ont déjà entraîné de lourdes conséquences humanitaires et économiques. Et on ne peut pas les considérer vraiment comme une aide de la communauté internationale à tel ou tel pays. Concernant Haïti, nous y voyons une tentative des États-Unis et du Canada d'influer sur les processus internes dans le pays, comme cela les arrange. Cependant, ces mesures ne peuvent en aucun cas être considérées comme la volonté de la communauté internationale, qui ne s'exprime que par les documents du comité de sanctions du Conseil de sécurité que nous avons créé ensemble. Nous comptons sur l'intensification des activités de ce comité, notamment afin de mettre au jour les véritables sources de financement des bandes haïtiennes et les itinéraires de livraison illicite d'armes dans le pays. Je vous remercie. On vit dans la peur et elle est bien consciente des limitations des forces de police. Et à l'occasion de ce mois, le mois du souvenir, le peuple de Haïti, dont la souffrance n'a pas de fin, compte sur vous. Je vous remercie. Je remercie Madame Lalim pour sa déclaration. Et je donne maintenant la parole aux membres du Conseil désirant faire une déclaration. Et je donne la parole aux représentants des États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général. Merci, Madame Lalim, pour votre intervention.
Les États-Unis continuent de travailler pour répondre à la crise humanitaire auquel est confrontée et insécuritaire auquel est confrontée Haïti, et pour soutenir les efforts qui pourraient mener à la tenue d'élections libres. Nous voudrions également remercier l'Équateur qui a accepté d'être coordonnateur du dossier haïtien à nos côtés. Nous espérons travailler avec eux, avec le reste du Conseil de sécurité pour faire face à la situation actuelle en Haïti. Nous nous félicitons du fait qu'un grand nombre d'acteurs du secteur public, privé, de la société civile ont été en mesure de se retrouver et sont tombés d'accord sur les mesures qui peuvent être prises pour que justement Haïti puisse aller vers des élections justes et libres. L'adoption de l'accord du 21 décembre est une occasion pour les Haïtiens de rétablir la stabilité du pays et de renforcer la gouvernance. Il est vital que l'accord politique et sa mise en œuvre soit un processus inclusif. Et nous nous félicitons du rôle que le secteur privé et la société civile ont joué pour réunir ces parties et adopter cet accord. En outre, pour faciliter les exigences ou le respect des exigences de cet accord politique, Haïti doit relever le défi sécuritaire auquel elle est confrontée. La violence liée aux gangs, aux bandes, a atteint un niveau sans précédent, ce qui n'a fait qu'exacerber la situation humanitaire actuelle et a miné les capacités du gouvernement à faire face à l'épidémie de choléra qui a touché de manière disproportionnée les jeunes et les enfants. Des jeunes et des enfants qui continuent d'être recrutés par les bandes criminelles. Nous continuons d'observer des violations des droits de l'homme, étant donné que ces mêmes bandes qui utilisent la violence sexiste, sexuelle, y compris le viol, pour semer la terreur et accroître leur contrôle des territoires. La communauté internationale, quant à elle, doit accroître ses efforts pour répondre aux besoins humanitaires et aider Haïti à faire face au phénomène de l'insécurité, de manière à ce que justement des progrès puissent être réalisés pour mettre en œuvre l'accord politique de décembre. Nous saluons les efforts de la police nationale haïtienne qui a justement donc réussi à libérer le terminal de Véreux, terminal pétrolier, où se trouvait beaucoup de carburant, qui a eu une incidence sur justement le fonctionnement des hôpitaux, sur la fourniture d'une assistance humanitaire. Nous nous félicitons de la mise en place d'un régime de sanctions par le Conseil de sécurité qui empêche justement ceux qui contribuent au financement de l'instabilité. Et nous avons demandé, nous avons encouragé les acteurs à proposer l'inscription de noms sur cette liste. Nous continuons de soutenir les réformes institutionnelles, d'œuvrer à l'apaisement de la situation humanitaire et sécuritaire. Les États-Unis s'efforcent de traiter des causes profondes de l'instabilité en mettant l'accent sur la réforme du secteur de la justice, en mobilisant les possibilités économiques. Nous encourageons également les partenaires à contribuer au panier de financement des Nations Unies, étant donné la nécessité de remédier à la situation à Haïti. Le moment est venu de changer les choses pour ce qui est de la situation sécuritaire. En effet, s'il n'y a pas de progrès sur le front sécuritaire, les progrès sur tous les autres fronts, humanitaires, économiques, ne seront impossibles. Nous encourageons donc la communauté internationale à continuer de mettre l'accent sur le soutien apporté aux efforts de Haïti, pour qu'elle puisse répondre à ses besoins. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis pour sa déclaration. Je mets maintenant la parole au représentant de la Chine. Monsieur le Président, je voudrais commencer par exprimer mes plus sincères condoléances suite au décès tragique du ministre des Affaires étrangères, M. Moussa. Le ministre des Affaires étrangères du Gabon a, au cours de sa vie, défendu la paix et la sécurité en Afrique. Et il a contribué de manière significative au maintien de la paix et de la sécurité à l'international. Son décès est une perte tragique pour le peuple du Gabon. Mes plus sincères condoléances vont à l'ambassadeur Biang et à nos frères et sœurs de la mission permanente du Gabon. Le représentant spécial du secrétaire général, Mme Lalime, vient de nous informer de l'évolution de la situation à Haïti. Je l'en remercie. Je salue la présence parmi nous du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et des représentants permanents de Haïti et du Canada à l'occasion de cette réunion. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. Il y a un vide au niveau du pouvoir. Il y a une
violence des bandes armées, des bandes criminelles, qui a une incidence sur la population civile. Le président et le mandat du président du Sénat, des 10 derniers sénateurs sont arrivés à terme ces deux dernières semaines. Cela veut dire donc que les institutions haïtiennes sont non plus de représentants élus. La crise de légitimité institutionnelle est donc profonde. Les partis haïtiens, les factions haïtiennes doivent répondre à l'appel de la population et revenir à un ordre constitutionnel et prendre leurs responsabilités et ainsi faire avancer le processus de transition et ce le plus vite possible. Le mois dernier, les autorités intérimaires sont arrivées à un consensus pour une transition inclusive et des élections transparentes. Avec certains partis, certains groupes de la société civile, afin de restaurer en 18 mois des institutions démocratiques élues. C'est un pas dans la bonne direction, cependant nous sommes encore loin des attentes du peuple haïtien et des partis concernés. Nous remarquons que certains groupes de la société civile, y compris le groupe de Montana, se sont prononcés à l'encontre de ce document. Les partis Haïti devraient donc continuer de dialoguer de manière inclusive, renforcer le sentiment d'urgence au sein des consultations politiques, convenir d'un régime de transition crédible et faisable, de manière à pouvoir organiser des organisations libres et justes le plus vite possible. Le BINU devrait être une plateforme de dialogue pour toutes les parties, pour toutes les factions haïtiennes, et devrait respecter les choix du peuple haïtien et accroître les efforts de promotion d'un processus politique dirigé et contrôlé par les Haïtiens. Monsieur le Président, le dernier rapport du secrétaire général fait remarquer que les activités criminelles violentes des bandes criminelles se sont intensifiées. Plus de 2000 personnes ont été tuées l'année dernière, une augmentation de plus de 30% par rapport à l'année précédente. Les Haïtiens se félicitent en général des sanctions qui ont été imposées aux gangs haïtiens, à leur soutien, et espèrent que ce régime de sanctions sera efficace et permettra de juguler l'activité de ces bandes. Certains nourrissent également l'espoir que ces sanctions seraient imposées à davantage de gangsters qui minent la paix et la stabilité à Haïti. La Chine, à l'instar de beaucoup d'autres membres du Conseil de sécurité, soutient les activités du comité de sanctions. Nous voulons que celui-ci puisse être opérationnel le plus vite possible et examine de toute urgence la liste de sanctions et garantit et surveille la mise en œuvre de ces mesures pour justement dissuader les gangs de commettre davantage de violence. Ceci devrait être l'une des priorités des travaux du Conseil de sécurité. La Chine reconnaît et salue les efforts déployés par la police nationale haïtienne, qui s'efforce de maintenir l'ordre et qui soutient les efforts déployés par Haïti pour lutter contre les armes illicites, contre les flux financiers illicites, pour juger les auteurs donc des violations et des infractions. Nous continuons en ce qui nous concerne de soutenir la police nationale haïtienne. Les pays devraient prendre en considération, avant de détacher une force sur le terrain, devront prendre en considération l'avis des acteurs sur le terrain et devraient prendre en considération l'évolution historique qui a marqué justement les activités d'ingérence et d'intervention étrangère. L'année dernière a été marquée par une épidémie de choléra, par une récession économique, une pauvreté accrue, une insécurité alimentaire également accrue, la multiplication des activités criminelles, avec une vulnérabilité particulièrement marquée pour les femmes et les enfants. C'est
certains pays ont adopté des mesures de déportation pour les immigrants ou les immigrants haïtiens. Le HCDH s'est inquiété de ces mesures qui pourraient miner les bases du droit international des réfugiés. Nous pensons que les droits humains et la dignité des immigrants haïtiens devraient être protégés et qu'aucun pays ne devrait déporter des migrants. La Chine appuie les Nations Unies et les partenaires régionaux pour que les ressources allant vers Haïti puissent être accrues et que la situation humanitaire puisse être améliorée sur le terrain pour surmonter les difficultés économiques. De concert avec la communauté internationale, nous nous efforcerons de continuer à jouer un rôle constructif pour aider le peuple haïtien à revenir à la paix et à la stabilité. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine pour sa déclaration. Je mets maintenant la parole au représentant des Émirats Arabes Unis. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances au gouvernement et au peuple du Gabon et à nos collègues de la mission permanente du Gabon suite au décès du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Moussa Adamo. Je voudrais maintenant remercier la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Lamine, pour son exposé circonstancié, pour les efforts qu'elle déploie à Haïti. Nous saluons aussi la présence parmi nous de Haïti, de la République dominicaine et du Canada. Dans le cadre des débats d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur quatre points qui sont particulièrement pertinents pour le chemin que mène Haïti vers la stabilité et la prospérité. Tout d'abord, nous sommes particulièrement encouragés par certains des progrès obtenus sur le front politique, par la signature d'abord de l'accord du 21 décembre. Nous espérons que cet accord permettra de renforcer le dialogue politique, un dialogue politique qui continue d'être fondamental pour arriver à une vision d'ensemble des acteurs politiques haïtiens de l'évolution de la situation. Ceci permettra de contribuer également à renforcer, à améliorer la situation sécuritaire, humanitaire, économique et garantir sur le long terme la stabilité de Haïti. Nous tenons donc à réitérer les appels que nous avons déjà lancés à tous les acteurs. Nous leur demandons de mettre de côté leurs différences et de dialoguer de manière inclusive et constructive afin de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections dignes de ce nom. Deuxièmement, la violence, cela ne fait aucun doute, demeurera en Haïti tant que les institutions judiciaires, les services de détection et de répression, les institutions sécuritaires ne sont pas à même de répondre à l'augmentation spectaculaire de la violence au niveau national. À cet égard, nous saluons les efforts déployés par la police nationale haïtienne sur lesquels nous devons construire, notamment en réponse au niveau alarmant et persistant de violences sexistes et sexuelles. Traiter de la situation sécuritaire de manière holistique suppose également de lutter contre la corruption et de lutter contre le trafic et la prolifération des armes illicites et des flux financiers illicites. Nous nous félicitons des efforts déployés par l'ONUDC qui travaille de concert avec les autorités haïtiennes afin de renforcer leur capacité pour faire face aux armes illicites, aux flux financiers. Nous saluons également le rôle et la participation des acteurs régionaux en la matière. Ensuite, troisièmement, nous sommes profondément inquiets étant donné la détérioration de la crise humanitaire en Haïti. Celle-ci doit figurer au rang des priorités du Conseil. Le peuple haïtien est confronté à une insécurité alimentaire, hydrique, à des niveaux sans précédent de pauvreté. Le pays continue d'être vulnérable, notamment vis-à-vis des conséquences des changements climatiques. Ces crises ont été aggravées par la résurgence et la propagation rapide du choléra au niveau national. L'aide humanitaire qui est insuffisante. Nous condamnons une fois de plus l'obstruction aux services de base, à l'accès à l'aide humanitaire et le blocage donc des artères principales qui ne feront qu'exacerber la situation déjà difficile. Ensuite, quatrièmement, nous ne saurions ignorer les répercussions de la situation humanitaire en matière de santé et de sécurité sur les enfants et sur leur droit à l'éducation. Ainsi, selon l'UNICEF, l'année dernière, plus de 500 000 enfants en Haïti ont perdu accès à l'éducation au niveau national. Ces restrictions rendent les enfants non seulement plus vulnérables au recrutement par les bandes criminelles, mais les empêchent également d'avoir accès à une éducation, d'avoir accès à davantage de chances, de possibilités et de contribuer de manière positive aux communautés. Cela mine le développement sur le long terme du pays. Ceci continuera de nuire au pays au cours des générations à venir. Il est fondamental pour Haïti et les acteurs pertinents de trouver des manières de rouvrir les écoles en toute sécurité et de garantir un accès à l'éducation de manière plus durable. En guise de conclusion, nous avons réaffirmé notre solidarité avec le peuple et le gouvernement du Haïti.
de Haïti. Pardon, nous réitérons notre soutien au travail des Nations Unies à Haïti, y compris Binou, pour qu'il puisse rétablir la stabilité. L'exposé prononcé aujourd'hui par Mme Lalim portait sur des informations familières quant à la situation qui sévit en Haïti et le triste quotidien des citoyens ordinaires haïtiens. Un accord politique piloté par les Haïtiens qui permettrait de rétablir les institutions démocratiques et la gouvernance n'a toujours pas été conclu. Les violences perpétrées par les bandes ont atteint des niveaux sans précédent. L'insécurité alimentaire va croissant. Cette insécurité accrue continue de mettre en péril l'existence d'un pays déjà précaire. Comme nos pays n'ont cessé de le mettre en exergue, la situation qui prévaut en Haïti exige des mesures urgentes. Dans le droit fil de nos responsabilités en tant que membres du Conseil de sécurité, nous nous sommes attelés à accompagner Haïti dans ce processus ces dernières années. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire face à l'ampleur des crises actuelles et afin d'aider Haïti à être plus résiliente face à la résurgence de ces crises. Pablo Abraham toujours dit ça. Puis nous mettons en tête une solution pour le porter. D'ailleurs, intervention militaire pas porter solution, mais pile réunion qui a fait la dilatoire qui a fait. Yo tout yo connaît dilatoire. Yo tout connaît pertinemment ça y a fait là c'est dilatoire lié. Li pas abouti à rien. Pas de question, y a Robin réunion qui a fait c'est en faveur Haïti. Pas de bagarre comme ça vrai. Chaque pays qui l'a embrasse pas yo qui a réglé. D'ailleurs, tout récemment, on t'a tendé, gen un ami qui t'a dit c'est combien billions de dollars les États-Unis avec Canada a fait là pour kimbe Ariel Henry au pouvoir. Depuis que maintenant t'es tout programme là dans toutes sortes de cas fait là yo que Haïti a lui-même li forcément gon intérêt là donne pas jamais mettre ça dans tête tout. Chaque pays ouais qui dit même moi yo muni qui dit là bon la bagaille vous comprendre li prêt là pour aider yo même tout yo gen intérêt pas yo parce que pas oublier la reine d'Angleterre li inclus dans l'histoire d'Haïti. Bon, peut-être on l'a nous ka fontan nous parler nous ka pourtant parler de ça. C'est pour montrer oui. Ça dit tout pays ouais qui là qui campé au dou, il y a edo, il y a bakwa, il y a tout bagarre. Pas jamais maintenant tête, c'est intérêt ouais qui a priorisé. C'est propre intérêt yo. C'est intérêt pas ouais à chercher parce que c'est lui même qui important pour yo. En capé là mesdames messieurs, me décontent ensemble avec vous. Me décontent partager quelques mots, quelques réflexion ensemble avec j'en ai toujours fait ça Chanel la CIT réflexion amis qui avec vous c'est Esdras Fizemé m'étais content ensemble avec vous restez connectés ensemble avec nous mesdames messieurs n'a croiser prochainement pour une autre vidéo.